I wanna be your left-hand man. I love you when you're singing that song, and I got a lump in my throat, 'cause you're gonna sing the words wrong. Bon matin tout le monde! On est présentement dimanche. Il est 9h48 du matin. Je me suis réveillée à 1h30. Là, mes cheveux fondent super dur. J'ai dormi les cheveux humides, fait que ça va comme ça. Puis Anthony s'était réveillé genre à 8h40 du matin. Ouais, j'ai pas beaucoup dormi. Pas beaucoup dormi. Je me suis pas réveillé à 8h30, je me suis réveillé à 8h05. 8h05? Non, 8h10. J'étais en train de me réveiller à 8h, puis j'ai mis 8h05. Quand ça va sonner, j'ai réveillé à 8h10. Parce que. J'ai une chance parce que j'ai 10 minutes de lousse. Ouais. Parce qu'on part bientôt, là, on va aller voir les célébrants pour notre deuxième rencontre. Puis on va emmener un témoin, donc la maman Anthony est bien. Parce qu'on va signer, je pense que c'est genre l'acte de publication, je sais pas trop. Là. En tout cas, si quelqu'un se pose à notre mariage, je dois aller dire au monsieur maintenant. Mais en tout cas, c'est ça. Fait que Anthony, dans le fond, voulait faire une lasagne à micheteuse. Fait qu'il a préparé la sauce, puis il a préparé, dans le fond, toute la lasagne. Là, fait que c'est parti. C'est bon. Parce que j'ai fait une sauce à partir de rien. Ouais, dans la sauce maison. Fait que, c'est ça. Donc, je me suis juste habillée, puis là, je sers mes bottes aujourd'hui, et je sors mes souliers, like, aujourd'hui. Donc, oh, regardez, c'est ça mes nouveaux petits trucs que j'ai achetés hier. Que la lasagne, elle est là-dedans, fait qu'il est parti 5 heures. Ça, c'est la sauce qui est faite maison. Oui, toujours des olives. Il en reste encore, c'est fun. Puis là, je vais manger juste ça pour déjeuner. Un yogourt Oikos, aux cerises, ils sont full bons. Puis un petit truc comme ça. Fait que là, on est au Subway, on est genre à Terrebonne parce que c'est à Terrebonne le célébrant. Ça a super bien été, mais ça prend du temps, 1 heure. Prochaine fois qu'on le voit, c'est au mariage. Puis comment t'as trouvé, Anthony? Moi j'ai trouvé quoi? Le célébrant. La dernière fois. Ouais. Non, ça va être vraiment super. Fait que moi j'ai pris un 6 pouces poulet buffalo. C'est le sub du jour. Avec ça ici. Sa maman aussi. Puis on a tenu pareil, mais un 12 pouces. Donc je viens de laver les deux portes patio de la porte patio. En tout cas, de l'intérieur puis de l'extérieur. Mais genre, ça n'a pas été productif aujourd'hui. Il est 4h37, puis j'ai fait une sieste peut-être de 1 heure. Ouais. Fait que là, je suis rendue, c'est ça. Je vais faire le ménage, que j'ai nettoyé toutes les vitres. Là, j'ai commencé par ça parce que c'est plus long. Puis j'ai nettoyé les armoires aussi après. Là. Bon, fait que je suis sur mon balcon, j'ai essayé d'enlever genre... Mais tout ça, vous voyez, il y a comme plus de neige, là. Mais... Il y avait vraiment comme... C'est de la glace, là. C'est dur de la briser. En tout cas, fait que je pense que demain, il annonce 19, là. Fait que j'espère que ça va fondre. Fait que j'ai encore de la neige dans ma cour. Mais regardez! J'ai du gazon! J'ai nettoyé toutes mes fenêtres, sont propres. On a enlevé même les moustiquaires. Ouais. Je suis contente, c'est full propre. Je vais vous montrer la lasagne. Je vais laisser refroidir. Miam, ça va être bon. Ça sent bon. Ouais, miam, ça va être bon. Bon, fait que j'ai serré mon manteau d'hiver dans le garde-robe ici. En fait, c'est un garde-robe de range-tout, là. Il y a comme plein de chaises pour quand on a des invités de plus. C'est là qu'il y a, genre, des instruments. Boîte d'internet. Puis, ouais, derrière, il y a la boîte d'internet. En tout cas, elle est comme rangée dans le mur. Puis la balayeuse. Fait que là, on a tous nos manteaux d'hiver. Manteau Anthony prend pas mal de place. En espérant ne plus avoir... Oups! Aller sortir. Ouais, j'espère vraiment, en tout cas. Puis là, je vais ranger dans le garde-robe d'entrée. Regardez! C'est tout sale! Faut que j'aime pas ça. J'ai rangé, il y a juste ça. En fait, l'autre manteau Anthony est dans l'auto. Ça, c'est son travail. C'est mon petit manteau kaki du garage. Puis ça, c'est genre un manteau... C'est quoi la marque? Je me rappelle plus, là. Vous savez. Ah, Burton.
Mais c'est juste parce qu'il pleut, j'aime bien mettre ça. Là, j'ai rangé mes fleurs et tout. Puis en bas, bon, Anthony a sa part de bottes. Il a sa part de celui de travail, de running shoes. Mais running shoes, les bottes à sa mère. Là, je vais venir tout nettoyer le plancher. Ça sent le propre. Ici, c'est propre. Ici, c'est propre. Ça, c'est à vider, là, mais... Et c'était propre! Fait que... Ici, il va juste rester à nettoyer. Mais ça, il y a la sauce crisp puis la lasagne à serrer. Puis là, j'ai laissé ça sortir parce que je vais essayer de nettoyer mes armoires avec ça. Ben, c'est ça. J'ai nettoyé. Je vais jamais utiliser encore quand je vais finir mes autres produits, mais j'espère que ça sent pas le bon. Mais là, j'attends parce que ça s'est mouillé. Puis... Ça, c'est... Après, je veux utiliser ça dans mes... genre de fleurs. C'est mon savon que je mets dans la petite salle de bain en bas parce que l'autre il est vide, mais là, c'est mouillé. Ça, c'est mes trucs pour mon patio. Fait que c'est encore là. Ça, c'est quoi? Oups, excusez mon doigt. Ça, c'est des toiles que mon père m'a emmené. Il y avait plein de manteaux. J'ai tout vidé ça. Il y a juste ma sacoche. Ça, c'est pour laver toutes les petites serviettes. Bon, si vous entendez des petits bruits bizarres, là, c'est Anthony qui joue à son jeu. Puis oui, j'ai remarqué, je sais que je joue tout le temps dans mes cheveux, ou même dans mon visage. Des fois, je suis tout le temps même là en parlant. Mais c'est comme une manie, là. Même dans mes vidéos, genre beauté, je le fais, mais j'arrive à couper certains bouts. En tout cas, ça fait tellement du bien, là, les fenêtres sont ouvertes. Le chauffage est à zéro partout dans la maison, puis ça fait du bien avoir de l'air, là. Je suis genre dans mon petit coin, en plus, à côté de mes rideaux. Ça fait du bien, ça fait vraiment du bien. Puis là, ça sent bon parce que tout est propre. Mais j'ai juste lavé les fenêtres du premier étage. Parce que laver l'intérieur puis l'extérieur, c'est long. Puis c'est ça. Il reste le deuxième étage. Mais normalement, ça serait le vendredi que je travaille à Longueuil cette semaine. Sauf que mon dentiste s'en va dans un tournoi de hockey, je pense. En tout cas, bref, je travaille pas ce vendredi. Mais à la place, comme dans... Ben là, ça va donner dans 3 semaines. Là, mais... En tout cas... L'autre vendredi, je serais tentée de travailler une demi-journée. À la place, on va faire du 1-8 à 5 pour comme compenser. Là. Fait que, je joue encore dans mes cheveux. En tout cas, fait que, c'est ça. Fait que, ce vendredi, je ferai tout le haut, genre tout le deuxième étage, parce que là, c'est ça. Puis juste, comme depuis tantôt, là, depuis que je vous ai montré dehors, depuis que j'étais dehors, il y a encore plein de neige qui a fondu dans le cours. Fait que je suis super contente, j'ai hâte qu'il n'y ait plus de neige. Puis, Anthony m'a promis que avant lundi prochain, donc en fin de semaine prochaine, on va installer la table de patio. Puis j'ai super hâte. J'ai hâte. Puis je sais pas si je vous l'ai dit, mais on va. Mais Anthony veut commencer à courir dehors, puis moi aussi, parce que ici je trouve ça vraiment beau pour courir dehors. Oh my god, je suis en train de jouer. Je trouve ça beau pour courir dehors, puis. Comme partout que genre les maisons toutes. Je passe pas sur des grosses rues là, comme à Montréal. Là. T'as tout le temps 1 million de personnes dans les rues, là, mais je trouve ça plus le fun. Fait que c'est ça. Puis demain, on va aller au gym aussi. Bon, je voulais vous dire bonne nuit tout le monde. Il est présentement à peu près 11h. Là. Je viens de me laver. Puis j'ai fait ma routine de soin du visage. Cette lumière est tellement forte là. Je sais pas, j'allume, je suis comme. Ok. Peut-être c'est moins fort ça, là, mais bon. Ça fait que j'ai pris ma douche. Là, Anthony, lui, est déjà couché. C'était élevé plus tôt que moi parce qu'il avait fait la lasagne à la mijoteuse. Là, fait que c'est ça. Là, j'ai préparé mon sac de gym, ma sacoche aussi avec mes choses pour demain. Mon lunch aussi est préparé. Puis là, ben, moi, je vais me coucher peut-être dans. Ah, oh, j'avais pas fermé la douche. Dans une demi-heure, en fait. Parce que ben, je suis pas très fatiguée, puis je veux juste mes cheveux sèchent un petit peu avant de me coucher. Je les sécherai pas, mais juste naturellement. Fait que c'est pas mal ça cette semaine, fait que je fais 42 heures là, environ, en 4 jours. Puis vendredi, j'ai congé, puis comme j'ai dit, samedi, je vais faire mon RCR clinique. Ça me tente pas faire, mais un samedi, genre de. Je pense que c'est 9 à midi, 9 à 1 heure, quelque chose du genre. Ouais, fait que c'est pas mal ça le plan de la semaine. À part samedi, je pense que j'ai pas de rendez-vous cette semaine,
la semaine prochaine avec la planificatrice pour le mariage. Puis je pense que c'est pas mal ça. Fait que nous, on va se revoir vendredi. Souvent, ce que je fais les matins, en fait, c'est parce que pour l'instant, en tout cas, juste le lundi, je commence à 7h30, les autres à 8h30, mais j'arrive quand même d'avance parce que comme Anthony travaille à Montréal, il me dépose. Fait que j'édite mes vlogs les matins, genre. Comme. En tout cas, je trouve que ça va bien de même, en tout cas, pour l'instant. Alors, c'est ça. On va se reparler vendredi prochain. Alors, bye bye tout le monde. Bonne nuit, bonne semaine.